Et l'autre outil, le corollaire, c'est le pass vaccinal en examen aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Le sénateur Philippe Bas propose, Gabriel Attal, que le pass vaccinal disparaisse automatiquement dès que nous arrivons à moins de 10 000 hospitalisations. Est-ce que c'est pertinent de fixer ainsi un seuil d'extinction, de disparition du pass vaccinal ? Il va y avoir un débat. Il y a aujourd'hui, vous savez, un dispositif qui est limité dans le temps, qui doit s'éteindre en juillet prochain. Évidemment, si on peut arrêter le pass avant, on le fera. On a toujours dit que c'était une mesure, un outil qu'on utilisait dès lors qu'il y avait un risque pour notre hôpital. Vous le réaffirmez ce matin que le pass vaccinal ne sera pas un pass permanent. Certains, je dis bien certains, s'en inquiètent. Imaginent un autre modèle de société. Je le redis avec force, le pass vaccinal, ça n'est pas notre projet de société. Notre projet de société, c'est la liberté des Français. Et c'est pour ça aussi qu'on a été amené à prendre des mesures, pour qu'ils puissent continuer à aller au restaurant, pour qu'ils puissent continuer à aller au cinéma, pour qu'ils puissent continuer à se voir, pour que leurs enfants puissent continuer à aller à l'école. C'est ça le sens. Ça nous amène à prendre parfois des mesures difficiles, mettre en place des outils qui font peser des contraintes sur un certain nombre de Français, et notamment les non-vaccinés. Mais je redis que dès qu'on pourra se passer du pass vaccinal, mais alors on s'en passera, mais avec plaisir, Sonia Mabrouk. Moi, je me suis engagé avec Emmanuel Macron précisément parce que je crois à la liberté individuelle et aux libertés collectives. Et le pass vaccinal, effectivement, n'est pas cohérent avec ce projet-là. Mais il est cohérent avec la lutte contre l'épidémie qui continue à sévir dans notre pays.